Bonjour, je m'appelle Jeffrey Stonehouse, je suis directeur artistique du Vivier et ça me fait grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Lorraine Vaillancourt et Alessandro Solbiati. Comme vous voyez derrière nous, on est installé pour le concert du 14 avril dans le cadre de Résonance croisée. Cet événement, c'est vraiment un moment de rencontre entre la musique italienne et québécoise, on pourrait dire. Donc, aujourd'hui, Lorraine, merci d'être avec nous, premièrement. Merci. C'est tellement un grand plaisir d'accueillir le NEM à l'intérieur de la programmation de notre festival. Est-ce que vous pouvez commencer par me dire quelques mots par rapport à la fondation du NEM et la façon de travailler? Oui. Un ensemble qui existe depuis fort oui. longtemps, on s'entend. 33 ans, en fait, c'est la 33e saison. 1989, beaucoup d'entre vous n'étiez pas nés, sans doute. L'idée de départ, évidemment, c'était, enfin, je pense que ce qui fait la particularité du NEM et ce qui en faisait déjà la particularité au début, c'était, j'avais un profond désir de donner du temps aux musiciens. Disons que c'est mon idée fixe, je l'ai encore après 33 ans d'ailleurs, mm-hmm. d'ailleurs. De réaliser moi-même, parce que j'ai entendu des choses que je réalisais à l'époque pour la radio, et de même pas reconnaître la musique et d'entendre que c'est moi qui dirige, je me suis dit, il y a un problème. On fait les choses trop vite. Oui. Et c'est un peu... Et puis, j'étais entourée aussi de jeunes musiciens qui avaient la même frustration. Mm-hmm. Par rapport à la musique de création, par rapport à la musique d'aujourd'hui, que souvent c'était rapide, on avait juste le temps d'essayer de contrôler sa propre partition, jamais le temps d'écouter celle du voisin. Mm-hmm. Alors c'était un petit peu mon point de départ en disant il faut ralentir, mais c'est un grand luxe. Oui. C'était déjà un luxe en 1989 de proposer un ensemble sur des bases de répétition. Quand on a commencé, mon mantra, c'était une minute de musique, une heure de répétition. Évidemment, personne n'adhérait oui. et personne n'y croyait, surtout pas ceux qui mettent l'argent. C'est beaucoup trop de répétitions, beaucoup trop cher. Et finalement, il s'est avéré qu'on a fait ça. On a commencé comme ça, vraiment. On a commencé par travailler mm-hmm. avant de penser offrir. Et en disant, ça doit vraiment être un miroir, cet ensemble. On offre au compositeur ce qu'il y a dans sa partition, et non pas, bon, c'était pas mal, mais si, ça, non. Il peut pas se cacher derrière sa musique parce qu'on lui offre exactement ce qu'il a. Cette grande rigueur et le temps qui est mis, en fait, en préparation dans les répétitions du NEM, c'est quelque chose qui va avantager, en fait, une écriture comme celle à Alessandro. Pouvez-vous nous parler un petit peu de l'intérêt de cette interaction, en fait, cette belle rencontre entre le NEM et... D'abord, évidemment, elle a été provoquée, cette rencontre, comme bien des rencontres. Déjà, par les festivals, quand on a commencé à faire des tournées, souvent, les propositions venaient des festivals, ce que moi, j'aimais beaucoup, parce qu'évidemment, le répertoire, d'abord, est immense. L'Europe, c'est immense. Ça l'était déjà à l'époque, ça l'est encore plus maintenant. Des pays se sont ajoutés. Donc, d'avoir comme ça des suggestions, disant, on aimerait bien, on a une thématique, on a un compositeur invité. C'est comme ça qu'on a fait beaucoup de Charino, par exemple, parce qu'à Marseille, à un moment donné, il a fait un spécial autour de Charino, et ça a été l'occasion. Alors, c'était un peu le cas pour la musique d'Alessandro aussi. On nous a demandé de jouer « By My Window », en 1993, donc on ne s'est pas revus depuis ce temps-là. Nos vies ont continué en parallèle. Mais donc, on nous a demandé de faire ça au Festival Musica de Strasbourg. Ça a été notre première rencontre musicale et physique. Donc, et depuis ce temps, évidemment, je sais qu'Alessandro continue. Parce que je lis les publications des éditeurs, les publications, les revues, les critiques, les concerts et tout. On entend, on écoute tout ce qu'on peut, mais comme ça, on n'a pas eu l'occasion de rejouer
aucune œuvre à part By My Window qu'on avait repris ici à Montréal. Alors, l'occasion de cette résidence croisée, quand on nous a parlé de ça, de nous croiser avec l'Italie, c'est merveilleux. On a fait beaucoup de musique italienne dans l'histoire du NEM, mais j'avais pas, étant donné qu'on a eu tout de suite l'idée de reprendre la pièce de Keiko de Vaux qu'on avait créée l'année passée, ou il y a plus qu'un an, maintenant, 2019, à l'automne, sans public. Et alors là, on est vraiment dans tous les problèmes pandémiques. Et on l'a même en disqué, mais on n'a pas eu l'occasion de la jouer pour des gens. Et comme Keiko a étudié avec Salvatore et a travaillé avec Charino, et puis c'était le lien qui nous permettait de reprendre une œuvre, mais je n'avais pas envie de faire deux reprises, et je ne voulais pas revenir trop en arrière, j'avais envie d'avoir quelque chose de plus récent. Et c'est vraiment par encore un autre hasard que j'ai connu cette partition par un jeune chef qui s'en allait faire un stage en Italie et qui m'a demandé de travailler un peu avec lui sur le programme qu'il devait faire, dont la symphonie de chambre d'Alessandro. Alors tout ça, je dirais que c'est l'histoire de nos vies, en fait. Hein. C'est toutes ces rencontres, ces hasards dont on sait profiter. Qu'il faut exploiter. Absolument. Donc, une opportunité pour une belle retrouvaille, en fait. Absolument. Ce soir. Absolument. D'abord, parce que l'œuvre, je m'excuse, mais l'œuvre était vraiment très intéressante. En la travaillant, on dit bon, voilà quelque chose qu'éventuellement, peut-être, on pourrait mettre à notre répertoire. Et comme par hasard, il y a eu cette proposition du Vivier. On dit bon, on y va, c'est le moment, c'est parfait. Merci. Donc, Alessandro, pouvez-vous nous parler un petit peu de la pièce? Oui, merci. D'abord, mon français, je m'excuse, mon français. Mon français est magnifique. Merci. D'abord, c'est un joie énorme d'être ici avec vous, avec Lorraine, avec l'ensemble. Et je veux commencer avec une chose. Hier, pendant la répétition que j'ai écoutée, j'ai vu exactement ce que Lorraine disait avant. Parce qu'il y a, Symphonie à Camera, c'est une pièce pour 16 musicien, c'est-à-dire c'est déjà une dimension, je ne veux pas dire orchestrale, mais c'est vrai aussi que c'était une commande d'un ensemble qui s'appelle Ensemble Orchestral Contemporain. Et normalement, le plus grand est l'instrumentation, le plus petit est le temps pour travailler. Normalement, c'est comme ça, non? Avec les orchestres, il faut prendre les 50 minutes et tu dois dire seulement les choses immédiatement juste parce que c'est terminé, non? Oui. Par contre, hier, j'ai vu Lorrain qui est resté sur 30 secondes de musique pour 10 minutes, un quart d'heure. c'est une chose vraiment très rare, cela. Symphonie à Camera est une commande 2004 pour l'ensemble orchestral contemporain de Lyon, de la part du ministère de la Culture française. Et là, effectivement, la première chose que j'ai pris tout de suite, c'était exactement la possibilité de composer une pièce pour un grand ensemble, parce que normalement on passe de la petite instrumentation de chambre, 5, 6, 7 instrumentistes, à l'orchestre. Aujourd'hui, on parlait de ça avant avec Lorraine, il y a très peu de possibilités d'avoir une rencontre avec. Il y a très peu d'ensemble, pour des raisons très claires, économiques surtout, d'avoir la possibilité de travailler avec des ensembles de 10, 12, 14, 16 musiciens. Il y a il y a une dizaine d'ensembles dans le monde entier de cette dimension. Et j'avais pris tout de suite l'occasion parce que quand j'ai écrit, composé la pièce, moi, j'étais en train de faire une sorte de parcours de réflexion sur la structure profonde de les formes musicales. Si je dis classique, attention, rien de néoclassique. Le titre Symphonie de Camera est très classique. Hein, je déteste les attitudes néoclassiques. Mais exactement parce que je me sens un peu à la moitié et équidistante, c'est à la même distance entre la sorte d'académisme de l'avant-garde que je déteste et d'autre côté de chaque forme de néoclassicisme ou néoclassicisme que je déteste aussi. Mais j'ai toujours pensé qu'il y a quelque chose dans l'histoire de l'effort musical qui sont au-delà de l'histoire, c'est-à-dire qui sont partis de la psychoacoustique, de la façon d'écouter la musique. Pour exemple, j'ai toujours dit, on ne peut pas faire 7 mouvements, 7 parce que Haydn a fait ça, on ne peut pas faire 4, 5, 6 mouvements lents toujours parce que...
parce que c'est contre la possibilité d'écouter la musique. Alors, j'avais déjà composé en 1998 une pièce pour orchestre qui s'appelait Sinfonia, qui c'est un titre un peu dangereux, mais après Luciano Berio, on pouvait le faire aussi. et là, c'était vraiment quatre mouvements et vraiment une réflexion directe sur le mouvement d'une symphonie historique. Par contre, ici, ils sont quatre mouvements aussi, mais là, je pensais que si je fais la même chose, là, ça devient l'académie de moi. Je veux éviter chaque académisme, mais par contre, je veux trouver une façon pour faire un parcours entre les quatre mouvements, et le parcours est qu'on départ par un mouvement très, très, très lent, et dans lequel la musique est dispersée dans l'espace du son, il y a du silence, il y a des sonorités très perturbées. C'est comme si les instruments ne sont jamais les instruments qu'on connaît normalement. Peu à peu, pendant le deuxième mouvement, on commence à, comment dire, la musique commence à respirer avec une continuité, et c'est toujours avec une grande direction vers quelque chose. La première chose que je dois dire de ma musique, et j'adore, je ne peux pas faire une musique qui n'a pas une directionnalité. Le troisième encore plus, jusqu'en quatrième mouvement, c'est un peu une folie de vitesse, ok, oui. La confirmation de Lorrain est claire. Oui. Qui arrive à la fin, en sorte de ligne mélodique. J'adore les lignes mélodiques. C'est une ligne mélodique qui personne joue, c'est-à-dire qui est dispersée entre les instruments. Et ça, c'est l'idée de reprendre l'idée de quatre mouvements, mais sans une réaction avec les mouvements historiques. Ça, c'est un peu l'histoire de la pièce. Et je dois dire que par rapport à les 16 instruments de Symphonie à Camera, une pièce qui est assez chanceuse, parce qu'il était déjà joué certaines fois dans différents pays. Beaucoup en France, parce que c'était une commande française, mais aussi en Italie, aussi en Ukraine. J'ai un souvenir magnifique en relation avec un ensemble à Kiev. Et maintenant, ici, j'ai écouté une répétition magnifique, comme ça, aujourd'hui, je suis un spectateur très heureux d'être ici. Ah, mais c'est génial. Mais on parle ici d'une création canadienne, oui. En fait, oui. De l'œuvre. Lorraine, il y a un grand raffinement, en fait, dans la partition, dans l'écriture, en fait, à Alessandro. Pouvez-vous nous en parler un petit peu, de la perspective de l'interprète? Oui, ça c'est sûr. C'est une musique qui est très, à la fois très subtile et scintillante. Il y a une recherche de couleurs aussi. Et cette direction, ça, c'est très frappant. Et pour moi, c'est très important. Très important aussi. Je la cherche toujours, en fait, dans les jeux qu'on joue. Le sens, l'envie d'aller quelque part. Subtil au niveau de la notation aussi, la recherche justement sonore des différents instruments. C'est une notation, mais je dirais les Italiens, je ne veux pas faire une image globale, mais ils sont très forts sur la notation, oui. Je trouve. Mm-hmm. Et je trouve que cette partition en est un bon exemple, c'est-à-dire beaucoup de détails, ce qui fait à certains moments qu'on se pose des questions, mais à certains moments qu'on répond. On répond aussi aux questions, parce que les choses sont écrites. Et on dit, ah ben oui, là c'est clair qu'il ne veut pas qu'on joue plus fort. C'est bien, on insiste. Alors, la subtilité au niveau des dynamiques est très frappante, parce que c'est comme ça qu'on construit aussi la pièce. En fait, on fait les strates, les différentes strates. C'est le problème majeur dans ce genre de musique aussi, dépendant de l'endroit où on joue, de l'acoustique. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Qu'est-ce qu'on peut diminuer pour arriver à sortir les lignes qui sont en arrière, qui devraient être en arrière, mais qu'il faudrait quand même entendre, etc. Donc, c'est un travail de fond. Vraiment, c'est pas une œuvre qu'on tout d'une traite avec la même dynamique, le même tempo et tout ça se fignole vraiment avec beaucoup de d'attention. Oui, donc c'est ce soir ce grand travail, cette approche rigoureuse en fait de préparation avec une écriture raffinée. On va voir le beau mariage de ces deux choses là ce soir. Exactement, au concert. Merci à vous deux d'être avec nous, vraiment. Merci. Et, merci à vous. Pour moi, merci à vous, à Vivier et à Lorraine, parce que c'est une occasion formidable. C'est aussi mon premier Canada. Je suis très heureux de tout ça. Oui. Je n'étais pas au courant, c'est excellent. Vraiment, merci. Donc, merci à vous deux. Merci.